se retrouve aujourd'hui suite à la victoire de ce week-end, une belle performance. Mais avant de parler de tout ça, tu vas nous parler un petit peu de ce début de saison, de cette montée. Première chose, la montée. Alors ça fait quoi de monter en Fédéral 1, c'est ça, Fédéral 1? En Fédéral 1, déjà d'abord c'est la phase finale de l'année dernière qui était très bien, une belle aventure humaine, belle aventure sportive également. Donc le groupe il s'est construit sur ça, il s'est construit même un peu plus longtemps, hein, depuis la Fédérale 3 il y a 2 ans. On a eu une descente de Fête 2, en Fête 3 il y a maintenant 4 saisons. Dessus le groupe s'est construit et avec des gros liens amicaux, beaucoup de travail, on arrive maintenant à rentrer les compenses qui est la Fédérale 1 et on essaye de faire bonne figure à ce niveau-là. Justement depuis l'année dernière au niveau du groupe, ça, vous avez pas mal bougé l'effectif ou pas? Non du tout, je pense que aujourd'hui sur le groupe de la Une, on doit être à 80% des mecs qui étaient là de l'année dernière, voire même en Fédéral 3 il y a 2 ans. Bon, toi tu es à l'honneur de l'équipe et capitaine. Au niveau des avants, il y a une grosse différence entre la Fédérale 2 et Fédérale 1? Ah, totalement. Totalement, on va dire presque le rugby est plus le même avec l'apport de la mêlée, avec la poussée illimitée. C'est un nouveau challenge pour nous aussi également, hein. On revient sur du combat un petit peu plus individuel avec un gros travail collectif que l'on effectue sur la mêlée. Ça commence à payer, ça a été dur au début et puis bon après la fierté tout ça fait qu'on reprend un petit peu le dessus et que maintenant on commence à avoir une base de lancement de jeu un peu plus solide, un peu plus stable. Voilà. Alors justement on parlait du début de saison, là aujourd'hui vous en êtes à la 5e place. Juste à la victoire de ce week-end. Je suppose que le bilan du début de saison doit être plus que positif pour un promu. C'est sûr que si on se reporte au mois d'août, on aurait signé de suite pour avoir deux victoires à ce stade de la compétition. Mais après, maintenant, on est quand même déçus. On a 2 défaites à la maison et ça reste quand même très très dur à accepter. Et à la sortie, on a peur que la fin de l'année, les défaites contre Bédarrides et contre Saint-Étienne. Nous manque vraiment d'un point de vue comptable. Est-ce que finalement dans votre pool actuel de Fédéral 1, est-ce qu'il y a vraiment des équipes qui sont largement au-dessus du lot ou ça se sent vraiment qu'il y a un monde entre ceux qui jouent la montée et vous ou pas? Ou est-ce que finalement sur le terrain c'est à peu près équitable? Ouais, bien évidemment, dans notre pool nous avons Béziers qui descend de Pro D2 avec des infrastructures qui sont autres des nôtres, avec un budget qui est colossal. Aujourd'hui, on a cette équipe-là qui est vraiment au-dessus. C'est un autre championnat. Après, il y a 2-3 équipes. On va parler de Saint-Étienne, on va parler de Nice, qui de par leur budget et l'effectif qu'ils ont pu construire autour de ce budget-là, a priori, ont un autre niveau que nous à la base. Après, nous, avec un petit peu de cœur, un peu de travail, on va voir ce que ça donne. On s'y file tous les dimanches et puis si on peut accrocher quelques points, on va les accrocher. Finalement, c'est une des grosses particularités du rugby, quand on le voit dans tous les niveaux, on va dire, à la base, on va dire, au foot, ça peut être possible, mais au rugby, on va dire, sur une équipe qui est largement plus forte sur le papier, généralement, il y a rarement, on va dire, le petit poussé fait rarement la différence. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de coupe de France au rugby, parce que une équipe de Fédéral 1 n'ira jamais surprendre une équipe de top 14. Mais c'est notre pari. C'est notre pari à nous cette année. On est là pour ça. On l'a accepté, on s'est posé quelques questions, on va nous prendre à monter ou pas. Et puis avec la municipalité, avec les dirigeants, l'ensemble des joueurs, on a beaucoup parlé sur la question. On savait que le challenge était très compliqué, on savait que c'était dangereux pour la pérennité du groupe et du club, mais on a bien réfléchi et à la sortie, on se dit qu'on est là pour un pari et on veut tous le relever, on le tente, on se donne les moyens d'y arriver, même si c'est pas forcément simple. Et puis on fera le point à la fin de la saison. Alors aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée aux gens, une équipe de Fédéral 1, ça s'entraîne combien de fois par semaine? Mais nous, aujourd'hui, on est parti sur 3 entraînements de semaine, avec une séance de vidéo avant l'entraînement du vendredi. Et puis bon, après le dimanche matin, réveil musculaire, on passe la journée ensemble. Et au niveau du buteur, vous avez changé, c'est ça? Vous aviez Raymonen, maintenant vous en avez un autre. Tu peux nous en parler justement de ce joueur, comment il est arrivé au club qu'est-ce qu'il vous apporte en plus? Mais Nicolas Cosimon, en fait, il est arrivé, c'est un petit peu l'histoire de tout notre recrutement. Il est arrivé par camaraderie, par amitié avec Mathieu Albors, qui est un copain du groupe depuis des années, qu'on connaît très bien. Donc Mathieu Albors est venu de la Neumezan. Et c'est rigolo parce qu'on était ensemble cet été, on était en apéro par là, et puis je lui ai dit, on n'a toujours pas de buteur. Il me dit, mais attends, moi j'ai Nicolas qui est sur le marché, qui est disponible. Et puis en fait,
Deux ou trois jours après, c'était bouclé. Et voilà, ça se passe une fois de plus, ça se passe comme ça. Et généralement, on vient à Tournefeuille par amitié, par connaissance, parce qu'on ne peut pas faire par autre chose. Alors, on va revenir aussi sur le match de ce week-end. Une victoire de justesse, 9-3, je crois, c'est ça. Donc là, c'est les buteurs qui ont parlé ce week-end. Tu peux nous en parler un petit peu de ce match? Ouais, un match difficile parce qu'on n'a pas su le tuer par moment. On a pris le dessus. Et du coup, à sortie, ils sont restés toujours à notre portée et on se les rendu un petit peu difficile. Du fait qu'on n'ait pas su marquer les points à des moments clés du match. On fait une très bonne entame, on marque 6 points assez rapidement, on ne réussit pas à appuyer plus fort, puis après, derrière, du coup, on est en danger en seconde mi-temps, bien que l'on ait le vent, on se maintient toujours en danger, on a de la chance sur 2-3 occasions qu'ils n'aillent pas au bout. Romain, c'est une équipe qui a envoyé pas mal de jeux, et nous, au contraire, peut-être qu'on s'est peut-être un petit peu bridé au niveau du jeu, par contre, on a vraiment répondu présent devant, dans le combat. On a pour une première fois d'année, je pense qu'on peut dire qu'on a pris le dessus à mêlée et ça c'est une grosse satisfaction pour les gros parce qu'on bosse beaucoup sur ça. On était en merde de nos premières prestations en mêlée, donc maintenant ça commence à rentrer. Et puis après collectivement la défense a été très 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 bonne. On a été très agressif, on était en place et on sentait qu'on était serein. On a construit sur ça en fait, sur une grosse défensière. Aujourd'hui, justement, pour la suite de la saison, qu'est-ce qui vous manquerait, on va dire, pour enquiller un peu plus de victoires? C'est quoi aujourd'hui les plus gros chantiers de votre équipe? Ouf, des chantiers, il y en a un paquet de chantiers. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait il faut beaucoup, beaucoup de choses. Il faut qu'on réussisse déjà à stabiliser réellement cette mêlée. Qu'on ait déjà nos ballons, qu'on puisse avoir des ballons propres pour que trois quarts puissent jouer derrière. Et après, qu'on retrouve peut-être un petit peu notre jeu collectif qu'on avait réussi à avoir l'année dernière en fin de saison, où on avait vraiment du vrai jeu de mouvement, où tout le monde allait de l'avant, tout le monde essayait de jouer debout. Il y avait un réel plaisir à jouer. Bon, en début de saison, on est parti sur d'autres chantiers qui étaient la conquête, qui sont primordiaux en Fédéral 1. Le rugby n'est pas tout à fait le même. Donc, à la sortie, il faut qu'on essaye de continuer sur ces bases-là et de retrouver un collectif plus. Avec beaucoup plus de mouvement. Pour nous parler un petit peu de ton parcours à toi, tu peux nous en dire quelques mots? Allez, tu as commencé où en jeune et puis les clubs que tu as fait jusqu'à présent? Moi, j'ai fait toute mon école de rugby à Tournefeuille. En cadet, j'ai rejoint Colomiers. Et là, à Colomiers, j'ai commencé un petit peu l'aventure de Tournefeuille parce que nous sommes toute une génération de joueurs à avoir joué ensemble. Pour ne pas les citer, les David Tafanel, Nicolas Berja, Seb Dupuis, Hugal Messija et j'en oublie certainement qui jouent aujourd'hui à une à Tournefeuille. On a grandi, on va dire, de 18 à 20 ans, 21 ans ensemble à Colomiers, les plus belles années. Et après, on est reparti sur Tournefeuille. En 2 ans, on a regroupé toute la bande d'amis. Et puis, ils sont arrivés sur le tard après, les Pierre-Yves Blasiès, les Julien Bénézèche qui nous ont rejoints à la sortie. Donc, ce qui fait aussi, ce qui nous unit, c'est qu'on a 10 ans d'amitié derrière nous et 10 ans de rugby ensemble aussi. Et je pense que ça se trouve sur le terrain. Finalement, tu fais partie de ces personnes qui découvrent la Fédéral 1, qui n'ont jamais joué à ce niveau-là? Totalement, comme 95% du groupe. Donc vous êtes parti de Fédéral 3 pour arriver aujourd'hui en Fédéral 1? Voilà, on avait fait une saison en Fed 2 avant quand même. On avait fait deux saisons en Fed 2, on était redescendu, on avait assumé la descente. On était resté tout le groupe. Et malgré ces descentes, même des joueurs, des copains sont continués à nous rejoindre, les frères Drillon ou autres, sont arrivés. Et après, on a reconstruit, on est remonté sous la houlette de Christophe Biamouré en Fédéral 1. Voilà, ça paye. Bon, et enfin, une dernière question. Quand on commence à arriver à des niveaux comme ça, Fédéral 1, 2 ou 3, il faut des jeunes derrière. L'école de rugby de Tournefeuille, comment elle se porte? Est-ce qu'il y a des jeunes? Est-ce qu'il y a la relève derrière? C'est une très très belle école de rugby. Je pense qu'aujourd'hui, je vais peut-être dire une bêtise, mais je pense qu'ils sont pas loin de 250 gosses. Il y a des grosses infrastructures, il y a des cadets, il y a des juniors, deux équipes juniors, il y a des réchelles. Bon, on est donc dans un club qui se structure. C'est pas simple, c'est compliqué. On a maintenant un terrain stabilisé qui permet un petit peu d'avoir de nouvelles équipes. C'est un super outil de travail à la fois pour nous et pour l'ensemble des équipes du club. Après, avec ça, on peut dire que l'avenir... Enfin, vivement que ça arrive même. Ouais, en fait, j'en ai une toute petite dernière. Tournefeuille, l'année dernière, a connu pas mal de réussites sportives. On a l'équipe de foot qui est montée en CFA2, le hand aussi qui était pas loin de la montée, le rugby... Pas trop dur de survivre au milieu de toutes ces équipes sportives qui brillent à Tournefeuille? Au contraire, c'est très bien, c'est un élan collectif.
Je pense que c'est M. Carrère, l'adjoint au maire au sport, qui doit être bien content que ça se passe comme ça. Non, je pense que Tournefeuille est une grande ville. Tournefeuille peut avoir plusieurs équipes à des niveaux honorables. Bon, le principal, c'est que le rugby reste au niveau honorable. Et si tout le monde suit, tant mieux. Bon, décidément, aujourd'hui, émission très rugby. Voilà, on l'a appelé 0% faute, 0% foot. Pardon, il y a bien une raison. Alors, après avoir eu le capitaine de l'équipe de Tournefeuille, Alexandre Breuss, eh bien, on arrive à notre page rugby et justement, on va faire un petit tour de l'actualité régionale en termes de, notamment de fédéral. On commence par de la fédérale 1. Alors, quels sont les résultats, les principaux résultats? Et donc, comme on en a parlé juste avant, Tournefeuille a donc gagné contre Romans 9-3, ce qui leur permet de sortir de la zone de relégable et de la zone rouge en étant cinquième de la poule. Ensuite, Castagne a fait la bonne opération du week-end en allant gagner à Mazamet 24-10, ce qui les fait remonter pareil à la cinquième place. Par contre, la vallée du Giroux continue à avoir du mal à ce niveau-là, puisqu'ils ont de nouveau perdu à domicile 21-9 et se retrouvent donc septième. Voilà, donc ça, c'est pour la Fédérale 1. En Fédérale 2, alors là, ça continue d'être tout bon. On a notamment Lille Jourdain et Blagnac qui ont gagné. Blagnac, ça y est, on va dire, là, la machine est lancée, ils sont premiers, ils ont encore gagné 26-9 ce week-end, c'est ça? Oui, tout à fait. L'entraîneur Arnaud Coste était d'ailleurs assez content de cette victoire. Ils ont quand même gagné 26-9, donc c'est une victoire, on va dire, assez large, avec le bonus offensif à la clé. Et dans la même poule, Lille Jourdain a gagné à l'extérieur, donc Lille Jourdain s'accroche aux premières places, reste quatrième. Donc a fait une bonne perf aussi. Et dans la poule 6, le FCTT a gagné à domicile, ce qui les laisse aussi à la quatrième place. Donc on peut dire qu'en Fédéral 2, nos équipes sont quand même bien représentées au niveau des classements. Donc éventuellement, nous pourrions avoir l'année prochaine, pourquoi pas, deux équipes qui montent, qui rejoignent, par exemple, Tournefeuille s'ils arrivent à se maintenir en Fédéral 1. Il faut espérer. Après, bon, les phases finales, c'est tout autre chose, donc on ne peut pas dire qu'il y aura deux équipes. Mais bon, on a des chances. Très bien. Et la Fédérale 3, et alors là, je tiens particulièrement à en parler aujourd'hui. La première victoire de la Salvetta Plaisance. Ça y est, le RCSP a empoché sa première victoire. Ouf, on va dire. Oui, on peut dire ça. Donc, la Salvetta a gagné contre Pouillastruc 10-6 à domicile. Après un match assez engagé, un peu brouillon, parce que à cause du ballon glissant et surtout du terrain gras. Mais les avants de la Salvetta ont su apporter ce qu'il fallait pour avoir un essai de pénalisation à la suite de plusieurs mêlées écroulées et de pénalités consécutives. Donc un essai de pénalisation qui a fait beaucoup de bien à cette équipe et qui a su tenir défensivement jusqu'à la fin du match pour engranger cette première victoire qui fait sortir le club de la zone des relégables. Donc c'est les Coteaux de l'Arrée qui sont maintenant relégables. Et je pense que la Salvetta peut maintenant regarder vers l'avant, puisque il leur reste encore à jouer les deux autres équipes qui sont mal classées, que sont Riem et une autre équipe. Très bien. Les autres résultats de cette Fédérale 3, qu'est-ce qu'on a de notable? Donc Grenade, dans la même poule, a gagné contre Argelès difficilement d'un point, 14-13, et donc reste second du classement, donc une très bonne place. Dans la poule 3, Muret a gagné à Millau. Et enfin, dans la poule 4, le Tuc a perdu à Caussade 16-9. Bon, une dernière chose avant de se quitter. Pour notre page rugby, jeudi dernier, il y avait aussi des matchs de championnat. Et allez, Albi qui s'est offert un petit bol d'air. Donc Albi qui s'est offert un petit bol d'air en ramenant un petit quelque chose de Paris. Oui, tout à fait. Bon, un bonus défensif quand on n'a que 10 points au classement, c'est pas beaucoup. Mais dans ce genre de match, c'est vraiment un grand bol d'air pour les Albigeois qui donc ont perdu 23-18 et qui auraient pu gagner avec deux grosses occasions d'essai qui mettent pas à cause d'un mauvais rebond, à cause d'un un peu un manque de chance. Et donc ils se retrouvent à prendre un bonus défensif. Les joueurs avaient vraiment le sourire après le match. Eric Béchu disait lui-même qu'il avait retrouvé confiance. Ce match les a remis sur les rails, on peut dire. Et je suis persuadé que les Albigeois vont revenir dans la course au maintien. Bon, et enfin pour Montauban, bon, Toulouse qui a largement étrié son adversaire. Et puis après pour Montauban et Castres, ça s'est passé comment?
Alors Castres a rencontré Clermont-Ferrand à domicile, donc match très dur après le match qu'ils avaient fait à Perpignan très bien. Donc là ils ont fait un match nul 9-9 dans un match réservé aux buteurs et encore d'une densité physique assez impressionnante comme tous les matchs de Castres. Ils répondent présents dans l'intensité physique. Ils ont beaucoup plus de mal par contre à concrétiser leurs occasions puisque ça fait maintenant près de 6 matchs qu'ils n'ont pas marqué un seul essai. Ils ont beaucoup de mal à concrétiser leurs grosses occasions. Et Montauban, eux, par contre, ont marqué le pas en s'inclinant 19-0 à Montpellier dans un match pour le maintien. Bon, très bien. Merci beaucoup, Paul, pour une nouvelle fois cette chronique rugby du lundi, chronique habituelle. On se retrouve lundi prochain donc pour faire un nouveau petit point sur les championnats régionaux, notamment de fédéral, et puis aussi pour parler de ce match de l'équipe de France qui a lieu vendredi. Et on l'espère, pourquoi pas une victoire à la clé pour le 15 de France. Merci encore et à lundi prochain. Au revoir.